La famille, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, la famille, à toute nouvelle vidéo où on va parler de Nekfeu. Mais avant que la vidéo commence, la famille, je vous invite à mettre un like, à vous abonner, à partager. Et puis ça, c'est votre choix, la famille. Là, voilà, c'est moi, bon, je suis arrivé sans bégayer. Donc aujourd'hui, on va parler de Nekfeu. Alors, juste un petit truc, tu vois, un petit truc. Parce que sinon, je sens, il y a des gens, ils vont me clasher dans les commentaires. Alors, oui, je ressemble à Krusty et tout. Mais les gars, je serais allé au coiffeur, hein. Il n'y aurait pas le confinement. Tiens, 10 centimes, parce que je vais chez les Arabes. Tiens, 10 centimes. Me clashez pas. Mais, non, j'avoue, c'était. Voilà, mais tu connais, tu frère, tu sors du coiffeur, le musée, il fait psarté crouillard. Bref. Voilà, tiens, 10 centimes, fais-moi un dégradé. Mais là, c'est le confinement, frère. Il n'y a pas de. Je vais me faire allumer sur ce que j'ai dit sur les Arabes, mais vas-y. Mais voilà, c'est le confinement. Donc, les gars, commence pas à me clasher sur mes cheveux. Hein, parce que sinon. Attention, les gars. Bref, on va parler de Nekfeu. Donc, alors, tu vois, déjà pour faire un petit point, moi, je suis un gars, tu vois, j'ai écouté 2-3 albums de Nekfeu et tout, tu vois, j'ai bien aimé quelques sons et tout, mais tu vois, c'est pas mon. Je suis pas fan de lui et tout, tu vois, mais j'aime bien, c'est franchement, j'aime bien, mais voilà, j'écoute d'autres trucs, tu vois. Mais voilà, c'est franchement, j'aime bien. Et, tu vois, hier, je me balade sur Twitter, tranquille et tout, et là, je vois quoi? Nekfeu en top tweet. Donc, je me dis, je sais pas, il a sorti un nouveau son. Un nouvel album, peut-être, je sais pas, un nouveau truc, tu vois, il a sorti quelque chose. Je vais voir, je commence à voir Nekfeu, fin de sa carrière, Nekfeu annoncé sur je sais pas quoi, plus de Twitter, plus d'Insta, plus de chaîne YouTube. Qu'est-ce qui se passe? Et tu vois, j'ai fait ma petite enquête et tout. Et donc, probablement, tu vois, je me suis dit, vas-y, on va aller voir sur sa chaîne. On va aller voir si sa chaîne, elle s'est vraiment fait supprimer. Parce que je vois, des gens, ils disent ça, ils mettent des screens. Ouais, sa chaîne, elle s'est fait supprimer. Ouais, si, ouais, ça. Et là, je vais sur YouTube. Et je vois quoi? Je vois, sa chaîne, elle est intacte. Y a rien qui a été touché. Je vais, Nekfeu, voilà, je vois ses clips et tout. Tu vois, je clique dessus pour voir si vraiment, tu sais, c'est pas un bug et tout. Je clique, le clip, il se met, voilà, les sons, je mets les vidéos, je fais des trucs. Normal, aucun truc et tout. Et du coup, bah moi, tu as vu mon avis, c'est quoi? C'est que je pense que c'est un bug de YouTube. Sauf que là, je vais sur YouTube, enfin, je vais vous expliquer vraiment en profondeur, tu vois. Mais je vais sur là ce matin, là, parce que c'était hier soir que j'ai vu sa chaîne et tout. J'y vais et tu vois, je me dis, bon, vas-y, on va quand même retester, parce que c'est bizarre, il y a beaucoup de monde qui voit que sa chaîne, elle n'y est plus. Ça veut dire, je teste, et là, je vois quoi? Cette chaîne a été supprimée. Enfin, non actif, enfin bref, je pense que vous avez vu. Hein. Enfin, en gros, voilà, chaîne supprimée, il n'y a plus rien. Et là, je commence à gamberger dans ma tête et tout. Et en plus, tu vois, ce qui me fait encore plus gamberger, c'est que quand tu vas sur YouTube, t'écris Nekfeu, tu peux cliquer sur les clips. Je clique sur un clip, j'y vais. Mais quand je vais sur la chaîne du clip, pas de chaîne supprimée. Du coup, tu as vu, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre sur ce truc, tu vois, justement. C'est que. Il y a des gens, parce que je suis pas le seul, hein, j'ai vraiment vu des gens aller sur la chaîne et, avec des preuves, hein, la date, etc., etc. J'ai vraiment vu des gens aller sur la chaîne et il se passait rien. Alors moi, mon avis, tu vois, sachant que ça, j'ai pas vérifié, donc ça, je suis vraiment pas sûr. Mais on va se fier, je vais donner ma confiance aux gens qui écrivent sur Twitter, tu vois. Il y a des gens qui disent comme quoi il a supprimé, comme je vous ai dit au début, il a supprimé son Twitter, son Insta, etc., etc. Ça, j'ai pas vérifié, donc bon, comme j'ai dit, on va faire confiance aux gens. Mais les gars, moi, mon avis, c'est quoi? C'est que c'est sûrement un bug, tu vois. Pas, tu vois, c'est un peu grand quand même, tu vois, pour que ça soit un bug, hein, parce que Twitter, Insta, YouTube. Mais le truc qui me fait dire que c'est un bug, c'est que genre, tu vois, tu peux quand même aller voir les clips. Hier, je suis allé, sa chaîne, elle était normale, tu vois. Mais voilà, ça reste bizarre. Mais les gars, vous fiez surtout pas à ce qu'on dit quand même sur Twitter, sur les trucs comme ça. Parce que les gars, franchement, t'as des gens, tu sais pas d'où ils sortent les fake news. C'est un truc de fou. Je vais donner un exemple. Là, actuellement, là, sur Twitter, il y a des gens qui disent que à la gare de Lyon, rien à voir, hein, rien à voir avec Nekfeu, mais c'est pour vous donner un exemple. Il y a des gens actuellement qui mettent des. Il y a un fils de pute, il y a un fils de pute, clairement, on va pas se cacher les trucs. Il y a un fils de pute, je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à créer une fake news. En gros, genre, à la gare de Lyon, il y a un restaurant qui est ouvert, il y a des gens qui se baladent, etc. Et tu vois une vidéo où tu as vraiment des gens qui se baladent dans la gare de Lyon, normal, tu vois, c'est comme si moi je vais à la gare, normal, tu vois, qu'il n'y a pas de confinement. Mais les gars, mais. Tu vois, le pire, c'est que c'est en top tweet. C'est que les gens, ils croient ce truc, tu vois. C'est ça le pire. Les gars,
Là, j'ouvre ma fenêtre, je vois même les chats, ils sont pas là. Dans mon quartier, tu sais pas pourquoi, y a un chat, il a forniqué avec tout le quartier. Et je sais pas, il y a plein de bébés chats, de chats de partout. Même les chats, tu les vois pas, mon frère. Même les ch Bref, je vais éviter de dire des trucs de fou, mais tu vois des gains, à part, je sais pas, moi, tout à l'heure, j'ai vu un papy, il est passé, mais vas-y, normal, avec un masque et tout. Frère, il y a des gains. Par contre, ta gueule, le bébé. Je vais insulter des mères, là, parce que depuis tout à l'heure, il y a des voitures qui passent. Bref. Mais voilà. Et là, vous allez essayer de me faire croire. En plus, les gens, ils disent, ouais, ils partent en vacances. Mais comment tu veux partir en vacances, mon pote? Il y a le corona. Le corona, il va venir. Il ouvre le marteau. Le corona, il va venir et il va te mettre un. Tu vois, comme sur H1Z1, là. Il va te faire un truc comme ça, mon pote. Vas-y, je vais me calmer parce que je vais faire des trucs de fou. Mais les gars, arrêtez de croire ce qu'on vous dit et tout le monde se portera mieux. Bref, la famille, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour le coup, moi je pense que c'est un bug, tu vois, on va pas se mentir. Mais si c'est vraiment pas un bug, tu vois. Franchement, faut pas être déçu, tu vois, parce que faut bien que. Tu vois, c'est un exemple du coup au final, Nekfeu, parce que faut bien que un rappeur, faut bien qu'il arrête au bout d'un moment. Tu vois, donc au moins c'est un exemple, et le jour où il y a un autre rappeur, tu vois, on sera pas autant étonné, parce que c'est un peu la première fois qu'on voit un grand rappeur comme ça, tu vois, partir, finir sa carrière et tout. Donc voilà, pour moi c'est un peu un exemple, mais voilà, tu vois. Bref, la famille, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, la famille. Et arrêtez de croire en tout, les gars, franchement, vous êtes vraiment là. Bonne nuit.